Beau matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message ou la guidance, n'est-ce pas? C'est comme vous le désirez, un ou l'autre, de ce mercredi 17 janvier 2024. Avant de commencer, eh bien j'accepte de prendre conscience que chacun a sa place et que je dois prendre la mienne, ici, bas et maintenant. Et on terminera par le secret au quotidien, n'est-ce pas, pour ce 17 janvier 2024. J'ai pigé respiration. Ah, ça me connaît. Ça me parle beaucoup, hein. Ça me parle terriblement. Comment respirez-vous aujourd'hui, présentement? Comment respirez-vous? Est-ce que votre respiration est saccadée ou ample? Est-ce que elle est rapide ou lente? Est-ce qu'elle est superficielle ou profonde? Vous êtes vivant quand votre cœur bat et que vos poumons se gonflent. La respiration consciente vous aide à vous recentrer, présent à qui vous êtes et ne demande pas d'effort. D'où l'importance, n'est-ce pas? L'inspiration, l'expiration. Et en vous concentrant sur votre respiration, eh bien, c'est ainsi que vous détendez votre corps et que vous calmez votre esprit. Et c'est ainsi que vous vous connectez à votre corps dans l'instant présent. Le passé et l'avenir se situent uniquement, eh bien, dans vos pensées. Alors, pour savoir ce qu'il en est, la respiration est l'un des plus puissants outils pour calmer notre mental et à être présent dans notre corps. L'utiliser, eh bien, est-ce que vous l'utilisez pleinement dans votre vie d'aujourd'hui? Aujourd'hui, est-ce que vous l'utilisez pleinement? Je ne suis pas certaine. Et je parle aussi pour moi, n'est-ce pas? Eh bien, nous allons faire ceci. Je vous invite à faire une petite pause de 3 minutes. Offrez-vous cette pause de 3 minutes. Prenez conscience de la qualité de votre respiration. Comment respirez-vous? Est-ce qu'elle est profonde ou superficielle? Est-ce qu'elle est lente ou rapide? Et puis, je vous invite à inspirer et expirer le plus doucement possible. On ne fait pas un marathon là, hein? On va doucement, calmement. Ressentez une vague venir et repartir. À l'inspiration, elle monte. Elle monte des pieds à la tête. Et à l'expiration, elle redescend. Ralentissez votre rythme. À chaque expiration,
et laisser cette vague intérieure grandir et vous bercer. Et surtout profiter et savourer. On inspire. Cette vague, elle monte, tes pieds à la tête. Et à l'expiration, elle redescend. Ralentissez tout doucement à chaque expiration. Et laissez-la, cette vague intérieure grandir. Et vous bercez. Et aujourd'hui, votre mantra sera « Je peux faire une pause et respirer. » Octroyez-vous des pauses, s'il vous plaît. C'est important pour votre mental, votre physique, votre intérieur. « Je peux faire une pause et respirer. » Le secret au quotidien pour cette journée du 17 janvier, que ressent-on lorsqu'on est en harmonie avec l'univers? C'est exactement comme lorsqu'on flotte sur l'eau. Si vous êtes tendu ou si vous résistez, eh bien, vous coulerez. Si vous vous abandonnez, l'eau vous soutiendra et vous flotterez. C'est en éprouvant ce sentiment que l'on entre en harmonie avec l'univers. Alors, libérez-vous de toute tension et flotter. Je vous souhaite une excellente journée, puis on se retrouve demain pour un nouveau message. D'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain.